Le Paris FC 6e accueille Dunkerque 16e. Un PFC qui reste sur 2 victoires et qui revient en bonne forme. René Girard voit ses joueurs un petit peu plus efficaces et la possibilité de revenir peut-être dans les 5 premiers. Pour cela, il va falloir disposer de Dunkerque qui reste sur 6 matchs sans victoire, 4 nuls et 2 défaites pour l'équipe nordiste dans cette séquence. Première chance pour le PFC. Les Dunkerquois ont du mal à se dégager. Le ballon traîne un petit peu. C'est récupéré pour un crochet. Puis une bonne passe dans la surface. Le tir ensuite de Julien Lopez. C'est sauvé par Axel Maraval, le gardien et capitaine de Dunkerque. Très bonne première possibilité pour le Paris FC. Mais c'est sauvé par le gardien. Dunkerque essaye bien de repartir de l'avant. Mais ce n'est pas simple pour les Dunkerquois de trouver des solutions. À la mi-temps, 0 à 0 entre les deux équipes. Le PFC a eu la meilleure attitude mais n'a pas pu transformer ses intentions en grosse occasion ou en but. Un PFC vainqueur sur le terrain de Dunkerque quelques mois auparavant grâce à un but très précoce, celui de Kadi dès la 6e minute. Là, le scénario est différent. Dunkerque résiste et pourrait même créer la surprise sur ce ballon mal dégagé. Le tir à angle fermé, c'est repris et ça passe au-dessus. Une petite chance pour les Dunkerquois. Ça ne passe pas. Mais c'était une bonne opportunité avec Cheikh Fantamadi Diarra. Puis Malik Chokounte, ancien joueur du Paris FC. Le PFC s'est fait un petit peu peur sur cette action mais repart de l'avant. Avec Gaëtan Bello sur le côté pour un centre. La reprise de la tête s'est manquée. La défense dunkerquoise résiste jusqu'à Axel Maraval pour bloquer ce ballon. La meilleure chance de marquer pour l'équipe parisienne. Encore une action un peu confuse, mais ça a failli passer. À bout portant, ça n'a pas voulu sourire pour Warren Kadi. Dunkerque essaye de se porter à l'attaque. Pourquoi pas ici avec un ballon dévié du bout du pied par Ousmane Kanté. Une bonne chance pour Ilan Kebal, l'un des meilleurs Dunkerquois ces dernières semaines. Et ça ne passe pas non plus. On s'approche de la fin du match. Toujours 0 à 0. Dunkerque s'accroche à ce point du nul. Une chance peut-être pour le Paris FC. Ça traîne dans la surface. La frappe efficace d'Ali Abdi. 90e minute. Le Paris FC trouve la solution. Diakité touche le ballon juste avant. Et Ali Abdi réussit sa frappe pour un 7e but cette saison. Cette fois-ci, Maraval est battu. Le coup dur pour Dunkerque qui était tout proche de s'en sortir avec le point du nul. Mais le PFC s'est battu jusqu'au bout. Le Paris FC s'impose 1-0 contre Dunkerque. Un résultat crucial car les Parisiens passent de la 6e à la 5e place.